Yo les potos, c'est Branlab, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va nickel et on est parti pour l'épisode 92 de Palladium. Bon, on prépare nous gentiment le up du métier de mineur niveau 15, vu que j'ai réussi en fait à choper quelques informations sur le Palladium Crusher. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, il y a une nouvelle machine qui s'appelle le Palladium Crusher et permettra donc d'échanger des Orange Blue contre des Endium Nuggets. Bon, le craft coûte relativement assez cher, hein, ça reste 32 blocs de Palladium environ et une dizaine de blocs de titane. Mais le problème étant que hier je n'ai pas réussi à la faire marcher et du coup j'ai un peu enquêté sur les conditions et tout, et normalement je devrais avoir toutes les infos nécessaires pour l'utiliser très très bientôt. Mais bon voilà, si je m'embête à reposer 30 000 blocs de quartz, c'est qu'il y a une certaine raison quand même. Comme vous le savez, j'ai planifié de up tous mes métiers au niveau 20. Il y a quelques jours on était que niveau 10 mineurs et 8 bûcherons. Bon bah du coup j'ai passé niveau 13 mineurs avec 31 000 d'XP et donc là il manque, on va dire, plus ou moins, allez, 150 000 points d'expérience, donc juste 15 000 blocs de quartz. Ouais, non, en fait, ça se trouve avec 8 000 ou 9 000 blocs de quartz, en fait, ça ira largement, tu vois. Bah écoutez, nous, je pense qu'on va poser les 9 000 blocs, et je pense qu'en fait, je vais finir de poser les blocs que j'ai sur moi, et puis on attendra du coup le prochain reset, qui, j'espère, sera dans la soirée prochaine, vu que là, j'ai posé ça en pleine nuit et qu'il est 10h du matin. Et comme vous le voyez, pour l'instant, le quartz, il ne rapporte pas de points d'expérience. Donc c'est un peu dommage. Avant de parler un peu plus du Palladium Crusher, ce qu'on va faire, c'est déjà faire le tirage. Donc comme d'hab, il y a 10 blocs de Palladium à choper par vidéo. Bon, par contre, what the fuck, ça... Pourquoi il y a des blocs ici? Ah, Myline 38, salut super vidéo, je veux gagner XD, pseudo chaton du 38. Écoute, tu remportes les 10 blocs de Palladium. Donc du coup, on va aller chercher notre Palladium Crusher et du coup, vous expliquer 2-3 choses dessus qui m'ont été partagées hier soir. Et idéalement, si je peux l'utiliser pour la prochaine vidéo, ça serait vraiment nickel. Donc hop, on va le prendre dans le C, l'épée en endium, elle est toujours là, vous inquiétez pas. Bon, hier dans l'épisode, vous avez beaucoup à avoir remarqué que j'avais récupéré 2 lingots à la fin. Mais pour ceux qui ont suivi toute la vidéo, j'avais dit que j'avais tourné l'intro à la fin. Donc oui, faut suivre des fois. Et Million Kill a bien un casque en endium, c'est pas du fake. Bon, au passage, ouais, quelqu'un, alors 2 abonnés auraient trouvé ma base à ce qui devait être 0%, mais au final, elle n'était pas à 0, vu que j'avais des coffres dedans et j'aurais dû faire ça depuis le départ. Hein. Parce qu'en fait, du coup, j'ai tout stocké dans cette BP là, une BP qu'un abonné en fait m'avait passé parce qu'il a arrêté Palladium. Du coup, j'ai tout mis dedans temporairement, mais du coup, ça m'embête un peu de savoir qu'il y a des... potentiellement des homes dedans. Bon voilà, c'est un abonné très sympa. En tout cas, il a juste pris tout le Palladium et le stuff. Mais bon, après bon, ça reste un pillage. Donc je vais pas lui dire, mec, tu rends le Palladium et le stuff. Ça reste un pillage. Et puis GG à lui quoi. Mais bon, je vais quand même lire son petit message. Pillé par la famille Cube et Faucheur 85. Je te laisse ta base en bon état. Je ne mets pas de home car on voit dans tes vidéos que tu prends beaucoup de temps pour fabriquer ceci. Continue tes vidéos, Mirolam. Mais en tout cas, merci pour le petit message. Et puis bon j'avoue encore pour avoir trouvé la base. Maintenant voilà, il n'y aura vraiment que du build. Il n'y aura plus aucun bug de Palladium. Et petite chose que je tenais peut-être à faire, c'est que tous les Palladium blocs qu'il y avait dans les trous ici, je les remplacerai par en fait des Palladium blocs, mais grâce à des Ghost blocs. Et c'est vrai que c'est hier en discutant du coup avec Xalina qui est la buldeuse sur Palladium, donc il a fait aussi tous vos spawns. Donc je pense que vous pouvez lui remercier. Donc voilà, en fait, là je pose le Palladium Crusher et j'ai strictement aucun moyen de l'utiliser. Et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, à ce niveau là j'étais vraiment bloqué. Mais là on remarque qu'il y a peut-être une orange blue et là une sorte de boule de feu. Alors je ne sais pas trop ce que c'est vraiment, mais hier on m'a beaucoup parlé dans les commentaires etc d'un nouvel item qui est apparu avec le Palladium Crusher. Ce sont les Palladium Mix Coal qui se font avec des blocs de charbon et un Palladium Ingot. Hop, alors là j'en ai 2 stacks, je pense que ça ira pour l'instant. On va chercher un peu de Palladium. Déjà juste comme ça je peux du coup avoir 32 Palladium Mix Coal. Bon, on va pas non plus tout faire. Bon, quoique. Allez, on va prendre 4 blocs de Palladium. Par contre, mon inventaire a été clear. Alors, je sais pas si c'est mal synchro ou si j'ai vraiment été clear. On va voir ça très vite. Ah non, c'est pas 32, c'est 16. Ouais, j'ai vachement mal compté. What? Ah ouais, j'en ai beaucoup trop en fait. Ouais, c'est pas grave, ça va. De toute façon, ça va servir dans tous les cas. Mais je pensais pas que j'allais vraiment en avoir autant en fait. Bon, du coup, j'ai mis dans le C. Et on va laisser le reste dans la BP qu'il y a sur le alpha. Bon, visiblement, c'est mal synchro parce que là, j'ai encore ma pioche en Palladium. Alors, on va prendre le Palladium Mix Coal. On va voir si on arrive à le mettre dedans. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a vraiment
un prérequis au niveau des métiers. Donc là vous voyez que je peux toujours pas cliquer dedans. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment ça. Il faut passer le métier de mineur au niveau 15 pour pouvoir en fait utiliser cette machine. Alors moi quand j'ai vu parler des graines et tout, je me suis dit bon, faut monter alchimiste. Mais non, faut monter le métier de mineur au level 15. Et c'est vrai que on utilise au final du charbon. Donc vu qu'il y a du palladium, ça nécessite le niveau 15 dans le métier. C'est à peu près comme ça partout, hein. Dans le métier des farmers, vous avez donc les graines de palladium au niveau 15. Et là, vu que vous utilisez du palladium, bah du coup c'est une machine de niveau 15. Bah écoutez, ce sera du coup pas pour maintenant. On va ranger la machine, désolé. Mais au moins, je peux vous montrer l'interface du Palladium Crusher que Minionkill m'a envoyé. Et donc, on confirme bien que c'est au niveau 15 de mineur, confirmé même par Infrarium hier soir. Bon bah du coup, désolé de la machine, hein, mais il va falloir que je te repose. Bon, en parlant du calendrier de l'Avent, oui, du coup, j'ai du charbon aujourd'hui, alors que de base, ça devait être 2 blocs de Palladium. Ouais, c'est dommage. Donc oui, aux dernières informations, j'ai la valeur exacte du coup du nombre d'orange blue qu'il faut pour avoir un Endium Nuggets. Alors non, ce n'est pas 80 comme Fuse l'avait précisé lors de sa vidéo et il a dit que ça changerait probablement. Et c'est chose faite vu qu'il faut actuellement 128 orange blue pour pouvoir en fait craft un Endium Nuggets. On va déjà déposer ça. Donc ça veut dire que là avec au total, pourquoi je les prends tous? Au total, avec 379 orange blue, je peux potentiellement faire 3 Endium Nuggets. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu que ça, maintenant, ça vaut 3 Endium Nuggets et que c'est vraiment concret, on va plutôt les mettre dans le C, hein, parce que je pense que je serais plus rassuré dans le fait que ça soit dans le C plutôt que dans ma BP, sachant qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai une vague de pillage qui arrive. Également, je tiens à préciser, très important, qu'on a enfin atteint notre objectif de monnaie top. Donc là on est à 26 800 000. Et cette monnaie, bah écoutez, je pense pas qu'elle va rester très très longtemps ici. Et vu que bah maintenant que la situation avec l'Endium s'est débloquée, bah il est temps d'investir dans tout ce qui est orange blue. Donc idéalement je vais faire une farm énorme à orange blue et tenter du coup d'avoir des Endium Nuggets déjà dans le farm, puis avec le Palladium Crusher. Le VDN continue comme ça. Tes vidéos, je peux me TP à toi, j'ai un cadeau. C'est un peu suspect, non? Ouais, de toute façon, j'ai rien sur moi, donc dans tous les cas, vas-y, go, je vais le TP. Les salles d'échange, elles sont cassées. Oh, t'es bloqué palladium. Cool. Ah, merci. Ouais, en fait, le truc, c'est que dans le calendrier d'aujourd'hui, il y avait 2 blocs de palladium. Du coup, bah, ça fait beaucoup de blocs de palladium qui vont circuler dans le serveur. Ah oui, quand même. Du coup, où est-ce qu'on en était? Oui, bon, rares sont les fois où j'ai le chat activé aussi. Ouais, là c'est vraiment rare. Ah oui, je disais qu'il fallait, oui, que j'achète plein d'orange blue, donc ça c'est prévu. Donc là, je compte également sur vous, moi j'aimerais bien acheter les orange blue pour le prix de 10 000 unités, voilà. Il y a des gens toujours avec leur fake Endium Ingot, je crois qu'ils sont pas compris. Mais si je trouve des orange blue au prix de 10 000 dans le shop, eh bien écoutez, je les prendrai direct, sachant que bah du coup je vais sûrement en acheter en masse, ou du coup bah j'irai carrément farm moi-même les orange blue, sachant que ça me permettra aussi de monter le métier d'alchimiste. Bon, maintenant je voulais faire un petit quelque chose, hein. Ouais, son texture pack en fait tu vois strictement rien, mais c'est pas grave. Récemment donc, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait la maison de faction sur le Hiera. Et on m'a dit, bah pourquoi tu mettrais pas un petit coffre de dons? Bah du coup c'est ce que je vais faire. Et moi il me faudra juste un petit hopper, si j'en trouve un. Ah nickel, ici, en tonnoir. Et du coup bah on va prendre un deuxième coffre en palladium. Voilà, clairement, comme ça fera joli. Et du coup c'est parti sur le Hiera. Alors comment est-ce que je vais me débrouiller pour le coffre de dons? Alors déjà si je mets un coffre là, est-ce que les gens pourront y accéder? Normalement oui, mais en fait je pense qu'il faudrait plus mettre genre là s'il faut. Ouais, on va essayer de casser le mur. Bon, le problème c'est que bah du coup on va casser une partie de la déco là. Mais tant pis, il faut, hein. Quand il faut, il faut. Voilà. Ah, ma déco. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ok, du coup, ici, on va mettre... Non, en fait, on peut pas. Faudra mettre un coffre ici. Parce qu'en fait, sinon, bah... Comment dire? On pourra pas mettre le panneau, vu que ça sera en dehors de la maison de faction. On va mettre un petit hopper derrière. Alors, hop. Ah, mais oui, oui, ça casse, du coup. Ah, tant pis. Tu vois, je sens l'envie des gens de récupérer un truc en restant devant. Aïe, 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 il est pire. Bon, nous, on va mettre le coffre en palladium ici. On va mettre le hopper dessus et on va mettre un deuxième coffre en palladium. Comme ça, en théorie, les gens ne pourront pas y accéder. Et bon, moi, on va remettre l'escalier comme ça. Ça évitera toute tentative de use bug. Pareil ici, on va mettre un escalier comme ça pour éviter que les gens
et vraiment accès au coffre. What? Pourquoi j'ai chopé des diamond spikes et tout? Je crois qu'il a drop ça par terre. Oui, mais ils vont tout mettre dedans, ils vont mettre de la merde, je suis sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, du coup, on va aller chercher un petit panneau pour pouvoir, en fait, dire que c'est pour les dons. Parce que je suis sûr que plein de gens vont aller PVP là, ils vont déposer dans le coffre juste pour se débarrasser. Mais bon, c'est le risque. C'est bien pour ça que j'ai mis des pas à la chaise. Et ils sont motivés, les gens, le dimanche matin. Hein. Il y a du monde quand même, hein. Ah, je te kiffe, je pourrais avoir une dédicace sur une de tes vidéos, dédiée à Ace Scorpion 57. Y'a pas de bois pour un panneau. Attends, j'ai pas un home avec du bois là? Oui, y'a du bois, c'est ça le pire. Bah go. Ah, ça rapporte de l'XP les trèfles aussi. Ah, mais oui, c'est vrai. Bon, par contre, entre les trèfles et les orchidées, bon, je pense que les orchidées sont beaucoup plus simples à trouver. Hop, on va craft un petit panneau pour mettre dans la maison de faction. Et du coup, on va mettre genre... faites un don... Ah, la CTN avec un petit smiley. Voilà, je pense que ça ira très bien. Hop, et Darking il fait son commerce de box. Allez, il vend des box, donc si vous voulez lui acheter, c'est maintenant ou jamais. C'est moins cher que le prix du serveur. Attends, baleine 2, continue ta vidéo et ne pas s'abonner à Mirolam, c'est comme refuser un follow en diable. Bah les gens, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Bah vous pouvez vous abonner s'il faut. Et bah écoutez, le temps de choper des anges blue seeds. Bon, 100 000, faut pas abuser non plus, hein. Nous écoutez, on va se quitter là pour aujourd'hui. Si vous voulez faire un petit don à la fac, bah du coup, il y a un petit coffre qui traîne, bah du coup derrière, hein. Et demain, bah s'il y a moyen, si le quartz est enfin reset, je ne sais pas, je pourrais XP le métier de mineur au niveau 15 et enfin utiliser le Palladium Crusher. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Miro, ciao.